Bonsoir tout le monde. J'avoue que de vous voir ainsi, ça commence bien la nouvelle année. Ce soir, à notre émission, on a beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie et beaucoup de chaleur. Et celle qui nous apporte tout ça, c'est Edith Butler. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente de faire ton show. Parce que tu sais, quand j'étais très, très jeune, on allait te voir à Caraquette, t'avais à peu près 6-7 ans. Toi, t'avais 5 ans? À peu près, oui. Depuis ce temps-là qu'on te suit, t'es mon idole. Arrête donc! Oh oui, donc je suis très heureuse, j'ai très contente. Mon Dieu, Seigneur, je vais t'inviter une autre fois. Et ce soir, imagine, on a de la grande visite qui vient là-bas de l'Ouest canadien de l'Alberta. Oui, oui. Qui s'appelle... Christelle Plamondon. Et qui va nous chanter une chanson qui swing! Une chanson qui swing qui s'appelle La Cachine! La santé. Ouais, moi, j'ai deux filles qui font de la musique cajun. Es-tu une cajune, toi? Non, je ne suis pas une cajune. Toi? Oh, moi, je suis une cajune, j'entends. Oui. Puis pourquoi je fais de la musique cajun, en plus de la musique acadienne, c'est parce que c'était comme normal et naturel, puisque c'est des parents, c'est des cousins qui vivent en Louisiane, donc j'ai été comme projetée vers cette musique-là assez facilement. Mais je me suis toujours demandé, comment ça se fait, Pourquoi toi? Qui vient de Plamondon, en Alberta? C'est ça, parce que je pense peut-être parce que mon arrière-grand-père, il vient des États-Unis, et il est venu, il est le fondateur de notre petit village Plamondon, puis avec le mélange québécois, on a eu une moyenne mélange, puis je fais la musique cajun. C'est ça. Oui. Tu t'aimes ça. Oh, j'adore ça. Vous aimez tout ça? Là, il y a Edith qui va nous faire une chanson qui est une chanson cajun. Qui vient de la Louisiane, justement, qui a été écrite et composée par Bruce Degrepon, que j'ai vu, qui est venu à Contré-Centreville, qui est un extraordinaire auteur, compositeur, musicien, chanteur. Et j'ai décidé de faire une de ses chansons qui s'appelle Laissez-faire. Edith Butler. Laissez faire, mon joli, on s'en est.
J'ai lu dans mes notes qu'on t'appelait la rousse farouche. Comment ça qu'on t'appelle la rousse farouche? Je pensais qu'une rousse, c'était supposé être douce. Pas moi. Non? Non. Tu sais que ça veut dire, rousse farouche? Parce que les Cajuns, ils m'ont nommé ça. J'ai arrivé en Louisiane. Puis les femmes-là du Sud sont comme un petit peu douces, tranquilles, les cheveux noirs ou bruns. Moi, j'arrive là, toute farouchée, puis les cheveux roux, puis pas mal wild sur la scène. Donc, ils m'ont nommé ça. Ah bon? Eh bien, dis donc, hein, faudrait voir ça. Écoute, as-tu déjà fait des cabarets, tu sais, les nouveaux cabarets comme tu sais qui existent où il y a de la danse en ligne? As-tu déjà fait ça? Oui, nous autres dans l'Ouest, ça fait longtemps qu'on a ça, puis c'est tout tellement fun. Tu es en retard, là? Oui. Pour la seule chose, nous autres, on est toujours en retard dans l'Ouest, la seule chose, on a ça, ça va des années. Ah oui, hein? Ben dis donc, c'est bon à savoir. Parce qu'il existe depuis quelques années un cabaret à Montréal qui s'appelle le Vieux Munich, et l'équipe de Country Centre-Ville est allée les visiter. C'est ce qu'on voudrait vous montrer. Même sur les quelques années en retard. Voici le Vieux Munich! Dans toute ville qui se respecte, les oiseaux de nuit s'attendent à trouver un point chaud où la musique country est en vedette. Son attrait est tellement populaire que même les lundis de Montréal ont retrouvé l'effervescence des belles années de cabaret depuis qu'au célèbre Vieux Munich, on s'est mis à l'enseigne country. Je viens au Vieux Munich parce que c'est l'endroit idéal pour le lundi soir, surtout pour écouter du country music. Premièrement, j'ai été élevée dans le country. J'ai été élevée en campagne, alors j'adore le country. Bonsoir tout le monde! De campagne sur les amours de ville? Oui, mais le country attire aussi les citadins qui ont le goût d'une belle balade dans un monde où les relations humaines et la chanson ne se compliquent pas la vie. C'est de la musique quand même qui part du folklore, qui part de la terre, de la campagne, des choses très... la grosse masse, comme toute la musique folklorique. Et puis, cette musique-là,
à des adeptes. Et ces adeptes sont des gens très sains, à mon avis. Lundi au Vieux Munich, peut-être un jeudi au Ranch 92. Pour les adeptes du country, les clubs sont comme des haltes. On y trouve toujours quelqu'un de la famille. Crystal, t'as mis ton habit de Robocop? C'est ça. Explique-moi, c'est quoi ça, là? Ben, c'est parce que j'arrive ici à Moncton sans scène, mes deux idoles, puis j'avais peur, donc... Ça, t'as pas eu le temps de faire ton lavage chez vous, t'as mis ton linge? Ma planche à laver. Planche à laver très moderne, tu vois, il y a des courroies qui sont dessus. Oui, ça vient de la Louisiane, puis en plus, les Cajuns, ils ont fait ça, si tu joues un petit peu, puis tu trouves une bouteille de bière en même temps. Ah, ben, regardons, ça, c'est fait. Là, on est-tu en retard, là, pour être au courant de ça, là? Ben, moi, j'étais en retard, parce que les Cajuns, ça fait longtemps que je joue ça. Ça s'appelle comment, ça? Une trottoire. Un frottoir. Ah, frottoir. Ah, tu peux laver tes petits bas et tout ça le soir, arriver à l'hôtel. C'est ça que je fais. C'est fait pour hommes, celle-là, par exemple. Oui. Ben, c'est parce qu'il y a un petit whop à ça, tu sais. Ah, ben, il y a une petite bosse, ben, elle devrait être comme ça. C'est parce que c'est fait par un homme. C'est fait par ça. OK, OK. Hein? Okay. Et tu te demandes, toi, de l'Ouest canadien, je te dis, c'est pas des cajuns, mais ils ont le temps. On ride des chevaux. Vous ridez des chevaux! OK, qu'est-ce qu'on chante? Eh bien, c'est vous, vous connaissez tous la chanson New York, New York? Ben moi, j'en ai fait une de même, puis à soir, il y a une grande première, parce que c'est René Immortel qui la chante. Paquet de mille, paquet de mille! J'ai plus de ça.
T'as plus de souffle pantoute? Ben, j'en ai encore un peu. Ben, écoute, il faut que tu gardes du souffle parce que Christelle va s'en venir. Oui. Tu sais que j'ai réussi à rendre hommage, moi, à Christelle Plamondon avant de la rencontrer. Ah oui? Elle m'avait envoyé une cassette chez nous, puis j'ai écouté ça. Et là, il faisait une émission de radio, je pense que c'était en Alberta. Radio-Canada Alberta, radio. Ils m'ont téléphoné, puis on dit, tu pourrais pas y dire un petit mot. Alors, j'y ai rendu un hommage parce que moi, j'étais tellement extraordinairement bouleversée quand j'ai entendu cette musique-là. En fait, il y avait quelqu'un qui reprenait un peu la relève parce que moi, je commençais à me fatiguer. À l'autre bout du pays. Oui, je commençais à... Ça me prenait quelqu'un qui avait du fringant comme ça à l'autre bout du pays. Et l'année passée, quand j'ai venu faire l'ouverture du pays de la Sagouine à Bouctouche, t'as-tu vu ça? Le pays de la Sagouine? Et là, je suis allée faire l'ouverture, puis elle était là. Et là, je l'ai rencontrée. Ah, oh, ben, ça t'y souignait. Ah, quelque part. Non, c'est toi qui es très bon. Non, là, j'attends qu'elle grandisse un peu. Elle est tout petite. Elle est tout petite. Mais elle nous revient avec une chanson qui est sa propre composition, oui. Qui s'appelle « Rendez-vous en Louisiane, voilà. Christelle Plamondon ». Y'a beau soleil qui vont toute la nuit, y'en a qui vient de l'Acadie, on va en faire des nouveaux au rendez-vous en Louisiane. Si t'aimes petit monde qu'on dit tout le temps, même si elle est pleine d'habitants, il y a juste deux choses qu'on besoin, c'est la musique et le bon Dieu. Si on se cache chaleureux, nos amis ne peuvent trouver au rendez-vous en Louisiane. C'est un petit monde qu'on dit tout le temps, même s'il est plein d'habitants, il y a juste deux choses qu'on besoin, c'est la musique et le bon Dieu. Si on se cache à la rue, nos amis ne peuvent trouver au rendez-vous à Louisiane. On va avoir un bel époux, je vais aller
Bravo! Bravo! Merci beaucoup! Bravo! Ça fait-tu longtemps que tu chantes? Parce que René, ça fait depuis l'âge de 6 ans. Mais ben toi? Moi, 10 ans. C'est ça. T'as commencé à l'âge de 10 ans? Oui. Wow! T'as commencé à l'âge de 10 ans ou ça fait 10 ans? Non, à l'âge de 10 ans. T'as commencé à l'âge de 10 ans. Donc, ça fait à peu 20 près... ans. On n'est pas supposé de dire ça! Ah ben, ça fait rien! On dit que ça fait rien! J'ai commencé à l'âge de 6 ans, ça fait à peu près 20 ans que je chante. Donc, okay. Toi, tu commences à l'âge de 10 ans, ça fait à peu près une dizaine d'années que tu chantes. Ben, oui. C'est ça, OK. C'est ça qu'on dit. J'attends de grandir. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu assez d'entrain, d'énergie et de chaleur pour vous autres ce soir? On remercie Christelle Plamondon. Oui, merci beaucoup. Et on va la retrouver une autre fois dans la saison. Tu vas revenir nous voir. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, sûr. Edith, toi, tu bouges pas. Ah non, mais la semaine prochaine, je vais être là. Elle va être là, hein? Revenez toutes, là. Même heure, même poste. Avec la même personne. Hein? Avec la même personne. Avec la même personne, ouais. Avec moi. Alors, bonsoir tout le monde. À la semaine prochaine. À Country Centre-Ville. Ouais. Un petit peu de tépette, là. Petit tépette. Je suis pas habitué à ça, moi. Tu n'es pas habitué à ça, toi. T'es bonne, Christelle, là-dedans. Ah oui, oui. Écoute, je vais te parler un peu de ta famille. Oui. Parce que ça m'impressionne beaucoup. Je trouve que ta mère a été très courageuse. Dis-moi combien elle a eu d'enfants. 18 enfants. C'est effrayant. Hein? Faut être courageuse. 18 enfants avec deux couples de jumeaux. Moi, je suis jumeau avec une fille. T'es un jumeau avec... Oui. Avec une fille. T'es le combientième, toi? Je suis le septième. D'une famille de 18. 18, oui. C'est épouvantable. Hein? C'est fun. Mais quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est que j'ai su qu'avant de chanter, tu étais cuisinier. Oui, c'est ça. J'ai deux questions à te poser. Oui. Étais-tu deux, bon deux cuisinier? Facile. Deux faciles. Oh, question pour être bien facile. Est-ce que tu étais un bon cuisinier? Oui, ça allait bien. C'était pas pire? C'était pas pire. C'était... Oui? J'ai travaillé dans un hôpital, c'est pour ça. Ah bon? Mais ça allait bien. Ah bon, OK. C'est correct. Deuxième question. Ah, okay. Comment ça se fait que tu es parti de cuisinier à chanteur? Bien, moi, j'aimais la musique tout jeune. Chez nous, je chantais régulièrement. Puis j'ai été encouragé à chanter, mais à un moment donné, je me suis dit, si personne vient me chercher pour aller chanter, il faut que j'y aille. Faut que tu y ailles. Fait que j'étais moi-même. J'ai commencé petit à petit, puis j'ai commencé un album, deux albums, puis... Me voilà ici aujourd'hui. Et tu es le grand chanteur qu'on connaît aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir. J'ai beaucoup de succès, puis c'est grâce au public. Hein? Bien, je suis bien contente pour toi, Georges. Il y a un homme que je connais très bien, qu'on connaît tous les deux, mais que je pense que je le connais un peu plus que toi. Oui, beaucoup. Qui a influencé le début de ta carrière, et la mienne par le fait même. Ah oui. Bien, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais ses chansons. Oui. Vous avez deviné Marcel Martel. Oui. Alors... Et,
C'était un de mes bons amis, c'est encore mon ami. Mm-hmm. Je lui ai rendu hommage sur des cassettes. C'est ça. J'ai pris de ses chansons. Et là, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde un petit bout de film qui va nous rappeler des bons souvenirs, ce cher papa. On regarde ça. Hello, centrale longue distance, je veux parler à ma mère. Elle est là-haut avec les anges, moi je suis orphelin sur terre. Les fleurs tombent avec l'automne, l'hirondelle s'éloigne de nos grands bois. Le rosier sans pitié s'abandonne, moi je me retire sous mon toit. Mon cœur sans toi, petite Madonna, pleurer se décourage parfois. Dans ma vallée, là, je te donne, enfin que tu entendes ma voix. J'entendais parler dans le monde d'un bien joli et gentil pays. Je ne savais pas que tout ce monde parlait de la belle Gaspésie. J'ai fait le tour et à la ronde, j'ai vu des pêcheurs comme on le dit. J'ai vu des brunes, j'ai vu des blondes dans mes voyages en Gaspésie. Moi, ça me rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs, ça, parce que c'est des chansons que j'ai connues quand j'étais très petite. J'ai tout chanté ça, moi, quand j'étais petite. C'était toutes des belles chansons. Oui, oui. C'est pour ça qu'il a surfé pendant 45 ans, puis il est encore ouais, populaire. Il est encore là, il est encore là. Encore là. Et tout à l'heure, après la pause, Georges va nous chanter une merveilleuse chanson qu'il a composée exprès pour lui. À tout à l'heure. Je sens vibrer vos cœurs à l'unisson. Avec le temps, j'ai su vous conquérir. Tous mes refrains qui parlent un peu de vous, du quotidien et de vos rêves fous. Ces bons moments, je viens les partager avec vous tous qui depuis mes bien des générations. Je me dis moins jeune, fredonner mes chansons. J'ai vu couler des larmes de vos yeux, surtout quand je chantais pour les plus vieux. Vous m'avez fait complice de vos secrets, de vos amours et de vos déceptions. Au fond, j'ai toujours pris vos intérêts. Je ne regrette aucune de mes chansons. Cheveux blancs, des rides sur mon front, je garderai toujours au fond de moi, en souvenir ces années de passion. Je serai toujours présent dans vos maisons, même si vous ne me verrez plus souvent. J'aurai pour vous toujours une chanson, rempli d'amour comme une fleur.
Merci beaucoup, Georges. Ces belles années. En parlant de ces belles années, oui. Je sais que cette année, ça fait 20 ans que tu chantes. Ça, ouais. Donc, ça veut dire que... Oh oui. Merci beaucoup. Ça a commencé... Ça veut dire que ça fait 20 ans que tu as arrêté de faire à manger dans les hôpitaux. Tout le monde... Puis tout le monde est bien depuis ce temps-là. OK. Alors, raconte-moi un peu ça, là. Bien, j'ai 20 fait ans. 20 ans. Ça a commencé en 74. T'as une minute et demie pour me parler de 20 ans. 5, 10, 15, 20. Ça a commencé en 74. C'était les noces d'un de mes frères. Et j'ai commencé là, premier soir. Ensuite, j'ai été voir un orchestre régulièrement. Toutes les fins de semaine, je me rendais là, à l'orchestre. Oui. Je chantais avec eux autres, puis on m'a encouragé de faire un album. Ça a commencé par ça, un premier album. Il y a eu un deuxième, troisième. Et là, je suis en train de préparer mon 20e album qui va sortir. Ton 20e album en 20 ans. T'es meilleur que moi. Tu me bats. Tu me bats. Bien, c'est beaucoup de travail et oui. Ça prend de la persévérance. Puis je suis content d'avoir fait parce que j'ai un public extraordinaire qui me suit régulièrement. Bien, moi, je suis bien contente pour toi. Je trouve que tu as une très belle carrière. Hein? Merci beaucoup. Félicitations. On retrouve notre petite fille de l'Ouest. Qui est pleine d'énergie et qui nous chante une chanson qui s'appelle Pauvre gars, Christelle Plamondon. Pauvre gars, y'a pas d'argent, pauvre gars, y'a pas grand temps, une petite fille, pas de visite, puis vive une vie charmante. Quand il est tout jeune, pas encore trop grand, il a l'école tous les jours des faux babillements. Je sens bien peur, c'est là que notre pauvre gosse son père t'a pas peur. Sa vie est bien durée, il faut qu'il travaille pas. Il est mieux être pauvre gosse que d'être un chaval. Pauvre gosse, y'a pas d'argent, pauvre gosse, y'a pas gratin. Une petite fille pour le plaisir, vivre une vie charmante. Les rapports de la nation, la terre de notre pays. Peu d'argent, peu d'être gouvernement, vivre riche en esprit. Farine se moudra pas, n'aura pas de pomme de terre ni de haricots, et richera le pauvre gars avec pas d'argent. Viens-t'en. Georges et moi, on aimerait ça vous faire une chanson.
c'est une chanson que de mon père, que lui a enregistrée, que moi j'ai enregistrée, que beaucoup d'artistes qui ont enregistré. Il y en a autant, et... ouais, quasiment 50 qu'ils l'ont fait. Ah ben, une cinquantaine? Oui, à peu Je près. Je pense qu'il y en a Mais... d'autres qui vont la faire aussi. Oui, ouais. Mais moi, j'ai... c'est la première chanson, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune. Oui. Ça fait longtemps? Pas tant que ça. Non. Pas longtemps. Pas tant que ça. Non, non. Alors, ça... Arrête donc, là. T'es encore jeune. Oh, oui, c'est ça. Et c'est la première chanson que j'ai chantée sur scène, ça. À mon premier spectacle. Et c'en est une des premières que j'ai chantées de Marcel Martel. Toi aussi? Oui. Ça fait combien de temps? Oh, bien, ça fait 20 ans, on l'a dit tantôt. Quand j'étais petit. Quand t'étais petit, c'est ça. OK, OK. Ça s'appelle « Un coin du ciel ». Chanter vol dans les cieux gaiement. Mais pour un cœur qui aime, il n'y a pas de saison. Il va sans cesse et trouve toujours le temps bon. Notre émission bien Cristal. On l'applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Cristal Plamondon! Merci beaucoup. Mon Dieu, que le temps passe vite. Ça passe vite, hein? Les musiciens, Marc Beaulieu, les musiciens et les choristes. Et mon ami Georges Hamel qui sera avec nous encore la semaine prochaine. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
demain à Edmonton. Red Deer, minimum de moins 3 la nuit prochaine, maximum demain de 7. Dégagement. Des vents du sud-ouest à 20 km à l'heure pour demain. Calgary, minimum la nuit prochaine de 0, maximum de 12. Conditions de Chinook pour Calgary. Lethbridge, minimum la nuit prochaine de 3, maximum demain de 13. Medicine Hat, minimum la nuit prochaine de moins 1, maximum demain de 11. Et des conditions de Chinook, des nuages en altitude, des conditions variables. Jasper, minimum la nuit prochaine de moins 2, maximum demain de 7 degrés. Le ciel sera généralement nuageux à Jasper. On prévoit 40% de probabilité de précipitation d'averse ou de pluie et des vents du sud-ouest à 25 km à l'heure. À Banff, minimum la nuit prochaine de moins 1, demain maximum de 7 degrés. Un ciel également généralement nuageux étant donné cette perturbation en altitude. Et pour Banff, nous aurons des vents de l'ouest à 20 km à l'heure. Demain, dans l'actualité, les Jeux d'hiver de l'Alberta prennent leur envol à Saint-Albert. Plusieurs jeunes athlètes franco-albertains participent aux compétitions. C'est aussi la journée du savoir à la Faculté Saint-Jean d'Edmonton. Une dizaine de professeurs et chercheurs prononceront des conférences sur des sujets sociaux et culturels. Et le dernier magasin de Calgary de la Régie provinciale des alcools sera privatisé samedi. On vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se retrouve demain à 18h. Au revoir. Radio-Canada, le réseau national.